להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. תודה. מה למעלה ממך? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Sache ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Aïn, Roa. רוצה לומר ידי רבנו יונה שהקדוש ברוך הוא רואה ויודע כל מעשה בני אדם. הקדוש ברוך הוא יודע תות נוס אקסיון. טוב, אתה יכול להגיד איבוע. אבל הוא לא אובליה. כאן הייתי בר מצווה, הוא לבוא, נכון? הוא לבוא, כאן נפק, כאן הייתי בר מצווה, הוא לבוא. בר מצווה, יהיה נותן. Depuis, il a oublié. Vezocher est à col qui ilou ou nirtav le fanav. Comme si c'est écrit devant lui. C'est pour ça que c'est écrit à la fin. Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Toutes tes actions sont écrites, inscrites dans le livre. Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'écrire pour se rappeler. Il a comme nous des petits. Le cahier que vous écrivez comme ça, les cours, il n'y a pas besoin de se rappeler. Ah, c'est pour que nous, on comprenne. Sache que Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de toutes les actions comme si elles sont écrites devant lui. Nous, on a oublié les actions. Nos propres actions, on les a oubliées. Lui, il n'a rien oublié. Tout est inscrit devant lui. Vishalem lo ra'at ahat ma'asava ra'im. Et il sera puni sur ces mauvaises actions-là, sur lesquelles il n'a pas fait de choupa. Dit Hafetz Chaim, pour ça, Kadosh Baruch Hu, il va dire, ah, Kadosh Baruch Hu, il voit. Comment, Kadosh Baruch Hu, tu dis qu'il voit, il entend, etc. Okay. Qui a dit? Alors, dans les dernières générations où la Emouna, elle est très faible, Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le da'at d'inventer. Comme ça, il a dit Hafetz Chaim, à l'époque, quand ils ont inventé l'enregistreur. L'enregistreur de l'époque, c'était un frigidaire. C'est énorme. Un enregistreur, quelqu'un y parle, une heure après, deux heures après, trois jours après, on peut appuyer sur un bouton et reciter tous les mots qu'il a dit. Tous les mots qu'il a dit. Même un an, deux ans après, même cent ans après, on peut reciter tous les mots qu'il a dit. Ah. Alors, comment ça, pareil, il entend? Il entend, il enregistre, ok? Tu vois que ça existe, une chose pareille. Parce que Bourguil a donné le dat à l'homme de créer une chose qui entend et qui enregistre tout ce qu'il entend. Si il a donné le dat à l'homme, kal vachomer, que lui, il a le dat et la chokhma de le faire lui-même. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il enregistre, comme un enregistreur, chaque parole. Il enregistre, qui dit qu'il voit? Qui dit qu'il voit? Il a créé la caméra. Okay. Et maintenant, ça, ça fait il n'y avait pas son époque. Nous, à notre époque, il a créé ça. Caméra qui enregistre toutes les actions de l'homme. Il voit, cet appareil-là, il voit et il enregistre tout. Kalvachomer, Kadosh Baruch Hu lui-même, qui a donné le da'at de faire ça, que lui-même, il voit, il enregistre tout. Tout est enregistré dans un gros disque dur, un milliard de méga-gigas, je ne sais pas. Tout, tout, tout. Kol ma'ase bene olam, tout. Toutes les actions de l'humanité entière, pas que des juifs. Aujourd'hui, la technologie, elle est très avancée. On voit tout dans le monde entier. On peut voir d'un bout à l'autre du monde se voir, se parler en même temps, etc. Tout, 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 tout. Ah, pour te montrer, regarde comment Kadosh Baruch Hu, il voit d'un bout à l'autre du monde, il voit tout. Il enregistre tout. Vous, ta mère, lama mena'am li shlosha dvarim o shlosham davar echadu. שאין זה אומר אלא שהשם יתעלה יודע הכל ועתיד לשלם לו כפעולו. ומה הוא חשבון הוא זה? הכל אין יד אחד הוא. אה, פה כל אלה בזונדיר, לא תנה. הקדוש ברוך הוא יבואה, עין רואה, אוזן שומעת, עתות תזקסיון סון יקחית לא לליב. וואלה, פנס עשית חושב זלה, תביא אנדרפה על הפות. סעש כאי ענה כי תרגרד, אין עורי כי תנתן, עתות תזקסיון סון יקחית, סון יקחית דוזן ליב. Tout ça, c'est la même chose. Pourquoi tu me détailles? Si tu m'as dit Aïn Roa, ça suffit pas. Je comprends pas. Mais dit Laura, Valken irait les Farej, qui sait Aïnian ou les Machal. Lorsqu'un homme il se tient devant un sar,
grand chacham, un grand rav. Ou mitbayesh mi laasot lifnehem maasim asher lo ya'asu. Ou melomar dvarim lo tovim. Se tient devant quelqu'un d'important. Se tient, il va devant Vachirav Ovadia. Avec chaleur. Il va recevoir une bracha, il va chez Rav Chaim Kenevski, il a Havdil. Ou chez Rav Steinman, il va là-bas. Chez Rav Tzadka, chez Riou. Il s'assoit devant eux. Et il lui dit, viens, mon fils, mange avec moi à midi. Comment il va manger? Comme quand il se sert ici, là, à midi? Hein? Comme ça, il va manger. Ah, oh, t'as pris. Ron, il vient l'autre comme ça. Tu vois une main là, tu vois. Comme ça, il mange devant lui. Et comment il s'assoit, il mange son assiette quand il est seul, il a très faim. Hein? Comme un glouton. Ron, quand il est devant le rave, ou devant quelqu'un d'important, ou avec son chidour, il sort avec son chidour. Ken, sa future femme. Comment il mange avec elle? Ken, qu'est-ce qu'il commande? Moi, je rigole, je vois les chidourim dans les hôtels. Ken, tu les vois les deux? Qu'est-ce qu'il commande? Une bouteille d'eau. L'arma, ils font les... Ken, bouteille d'eau. Non, c'est... Bouteille d'eau, c'est pas fait. L'arma, la fille, elle prend une bouteille d'eau. Attention à sa ligne et tout. L'arma, elle rentre après à la maison. Ah, oh, la quelle soirée j'ai passé. J'ai rien mangé, j'ai faim. Et hein, quand même... dévalise le frigo. Qu'est-ce que vous croyez? Devant, elle prend une bouteille d'eau comme ça, elle boit, et en plus, elle boit que une... un petit peu comme ça. Elle aussi, il se sert comme ça, il boit doucement. Comment il fait la bracha? Devant sa cala. Devant qui tu es là? T'es devant Dieu? Après 120 ans, tu donnes din l'echeshbon là? Devant qui tu es? Et devant ta future femme, tu sais comment tu vas être avec elle après le mariage? Jamais la faire. Parce que ça, t'es assis comme ça, tout. En fait, t'es un prince, on dirait. Et madame la princesse. Madame la reine. C'est comme ça. On est assis devant quelqu'un d'étranger. On veut paraître bien. Il faut faire attention, on veut qu'il nous juge bien. On est assis devant quelqu'un d'important. On veut paraître bien. Ou mitbayesh mila asot lifnehem maasim asher lo ya'asu. Ou milomar, comment il parle? Ça c'est comment il agit, comment il parle? Hein? Un langage soutenu. Propre. Pas de mots en verlan. Pas de mots en truc, pas de mots bizarres de la rue. Non, un langage propre, nakhon? Ken yachshav bechol ayet kilu omed lifnei hakadosh baruch hu kasher ya'amod ish lifnei re'ehu. Pareil, chaque instant, un homme, il doit se sentir, ressentir, qu'il se tient devant Hachem, au moins, comme s'il se tenait devant quelqu'un d'étranger, quelqu'un d'important. Il va faire attention à ses chemins, il ne frottera pas. Comment je vais faire des choses interdites, je vais aller dans des endroits interdits, je vais voir des choses interdites, ça ne se fait pas. Si c'était un homme, il aurait fait ça. Si c'était son ami, il aurait été vu voir dans son téléphone des choses pas bien. Et il y a son ami à côté qui voit, il dit qu'est-ce que tu regardes là-bas, quel site, à quel jeu tu joues, c'est un truc, te mêle pas. Vas-y, il est au courant, hein? Quelle honte. Chemichement. Ou vas-y, chemor de rachav mechator gampi vulshono. Ou mitzara et nafsho. Alors il va garder aussi son langage. Il est devant quelqu'un d'important qui l'entend. Il va faire attention de parler correctement, proprement. Et là, en faisant ça, il va sauver son âme. Alken amar adam elama lemala mimach. Ain roa vezen shomaat. Ain roa, c'est par rapport à l'action. Ain roa, ça c'est par rapport aux actions. De la même façon que tes actions, ils sont propres et bien devant quelqu'un que tu respectes. Pareil, sache, Akadosh Baruch Hu, il voit aussi tes actions. Ozen Shomaat, c'est par rapport à la parole. Fais attention à ta parole, la façon de parler, combien il faut faire attention que le langage il soit propre, combien c'est important. Comme on a dit plusieurs fois, la Gemara dans Ketubot, qu'est-ce qu'elle dit? Des choses graves sur celui qui salit sa bouche de vulgarité. Que des jeunes gens meurent à cause des vulgarités qu'un homme il peut sortir de sa bouche. Face au Shalom. Et
כל מעשיך בספר הנכתבים, c'est quoi? She'en shichcha lifnei kiseh kevodo. Il n'y a pas d'oubli devant Hachem. Nous, on passe un jour, on oublie ce qu'on a fait hier, et quoi ce qu'on a fait il y a 10 ans. Chez lui, aujourd'hui, et il y a 10 ans, et il y a 20 ans, c'est la même chose. La même chose. Pareil, kol advarim, sdorim, nefanav, kiluim, basefer, nichtavim. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Faire tchouva sur ce qu'on a fait avant. Faut pas laisser traîner. La Averot et le passé, faut pas le laisser traîner. Un jour on verra. Non, faut faire tchouva. Faut effacer le plus tôt possible tout le passé. Toute la Averot. Pas chas v'shalom que ça reste encore devant lui, ça reste encore devant lui. Comme la Mishnah dit plus loin. Tchouva, umarsim tovim, ke tris bifne apur anout. C'est quoi tris? C'est un bouclier. La tchouva et les bonnes actions, c'est comme un bouclier devant la punition. Un homme, il fait des Averot. La punition, elle est lancée. Les flèches sont lancées contre lui. Il va en prendre plein la tête. Sûr, 1000%. Il y a pas, ce monde, il n'est pas FK. On fait des averot, on paye. Elle m'a la sotte. Enfin, si un homme fait tchouva, ou marasim tovim, alors il met un bouclier devant ces flèches-là qu'on lui envoie du ciel. Il a un bouclier. Enfin, tant qu'il ne fait pas tchouva, alors il n'a pas de bouclier. Il est comme ça, à découvert, devant les flèches, devant les issourim. De quoi? De ces avérotes qu'il a fait avant. Faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tchouva. Faut pas laisser passer un jour sans faire tchouva sur le passé. Tchouva sur la perte de temps. Et pas que les avérotes. À part les avérotes qu'on a fait. Il y a une perte de temps énorme qu'on a eue dans notre vie. On a perdu du temps sur ça et sur ça et sur ça et sur ça. Sur plein de choses qui ne nous ont apporté rien du tout dans la vie. Sur cette perte de temps-là, il faut faire tchouva aussi. לשלם לעושם כפר עולם וכמעשה ידם בחרית הימים ואם ישית אדם אל ליבו השכר אשר יתנו לו si un homme il met dans son cœur, ça veut dire qu'il pense, il réfléchit au salaire qu'il va recevoir, parce qu'on n'inscrit pas dans le livre que les mauvaises actions, on inscrit aussi toutes les bonnes actions, toutes les bonnes pensées, les petits efforts, les moindres petits efforts qu'un homme il a compté faire, ça aussi c'est inscrit. Il s'est levé une minute plus tôt, c'est inscrit et il reçoit énormément dessus. Comme l'histoire de la sœur du grand Ville, là, on a raconté ça déjà. Elle a levé le doigt juste pour montrer où elle est la maison du pauvre. Elle a reçu sur ça un salaire qui est infiniment plus que celle qui n'a pas levé le doigt. Elle a fait un tout petit effort en plus, elle a levé le doigt, c'est tout. Et son salaire, déjà, il n'a plus rien à voir. Ça aussi, c'est inscrit. Quand chacun ce que vous faites, tous les efforts que vous faites, c'est des milliards, c'est des milliards. Vous ne savez pas comment les gens ils parlent sur vous. On tombe, on se relève. Maïesh. Sheva Ipol Tzadik. Tzadik il tombe 7 fois. 7 fois, c'est. Et quand on tombe, ça n'enlève pas tous les efforts qu'on a fait. Mais putain, Chas v'shalom, Chas v'shalom. Tout inscrit. Il n'y a pas une avéra, elle efface pas une mitzvah. Une mitzvah, elle efface pas non plus une avéra. On est quand même tombé, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien fait le travail. Pas du tout. Il y a écrit dans les Sfarim que si un homme il fait une Avera 1000 fois, il fait une Avera 1000 fois, et une fois il a la même occasion de faire la Avera et il ne la fait pas, hein, il est encore considéré comme un tzaddik. Pas que ces 1000 fois-là, elles sont effacées. Pour effacer, il faut faire tchouva. Alors un homme il va dire, regarde comme par exemple à la tfila, il ne se lève jamais. Il va dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vous joue, rien du tout. Okay. Et une fois, il a la même épreuve, la même nissayon, la même fatigue, la même. Et il s'est levé. 1000 fois, il ne s'est pas levé. C'est écrit, 1000 fois, c'est pas moi qui invente. C'est écrit dans le Sefer. 1000 fois, c'est écrit dans le Sefer. 1000 fois, il fait une Avera. 1000 fois, il regarde quelque chose d'interdit. 1000 fois. Et une fois, il a la même occasion de regarder la même chose interdite. Et il dit cette fois-ci, allez, ça suffit, viens, on se reprend en main. Et une fois, il a réussi à ne pas regarder. Ok? Il reste encore Begadar Tzadik. Il s'appelle Tzadik encore. Il faut qu'il fasse tchouva sur les 1000 fois. Il faut effacer les 1000 fois. Aval, il ne faut pas avoir le sentiment que la majorité ils ont, quand ils tombent 1000 fois dans une Avera, ils disent, ça y est, de toute façon, je suis cuit. L'onachon. Si tu as réussi une fois à t'en sortir, c'est d'avoir Gadol Me'od. Un homme, il vient jamais à leur encours. Jamais. El Malasot. Une fois, il est venu. 3h30, il est assis avec sa Gemara ouverte. Ça te dit Kodesh Kodesh.
Kol Sheken, tous les efforts que les Bachourim font à chaque fois contre le Yetzara, d'essayer de ne pas sortir, d'essayer de se lever à la Tfila à l'heure, d'essayer d'étudier, de suivre les Shiurim, d'apprendre la Gemara. Combien c'est dur la Gemara pour celui qui ne la connaît pas? Combien c'est dur de rentrer dans la Gemara au début? C'est très très dur. Et quand même, le Bachourim, il s'accroche, et il essaye, et il se bat, etc. etc. Vas-y, il n'y a pas un, il n'y a pas plus cher aux yeux d'Hachem au monde que ce Bachourim-là. Ça n'existe pas dans l'univers entier, plus que les tzadikim. Plus que les tzadikim. Lama, tzadik ben racha, c'est un gadol me'od. Tzadik qui ben comme j'ai parlé, tu vois, on dit, tzadikim mourim, enam yecholim la'amod bo. Pas possible. Pourquoi? Un Baal Tshuva, il a beaucoup, beaucoup d'efforts à fournir. C'est très dur pour lui. Et il s'assoit, et il se lève, il s'assoit. Devant quoi il s'assoit? Devant du Midrash et du Chumash, devant la Gemara, le domaine le plus dur qu'il y a dans la Torah. La matière la plus difficile. Okay? Il sort de, comme tu dis, prends un élève en maternelle, en primaire, et tu lui dis maintenant, viens, on va faire des cours, Matsup, Matspé. Viens, on te fait, maintenant tu vas apprendre. Il dit, mais je peux pas, c'est dur. Okay? C'est pas grave, doucement, tu vas apprendre les formules, doucement. C'est pareil. Il vient, il sort d'où? De Paris, du Guéhenam, du truc. Il vient à la Yeshiva. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas étudier maintenant la même daf que Baba Saïd, il a étudié. Baba Saïd, il prend tout bot. Daf, kafret, amoudalef, kafzain, kaftet. Qui c'est qui a étudié ce daf-là? Baba Saïd, il a étudié. Le même daf, par cœur. Bien qu'il va y dire, Ratam Sofer, bien qu'on va Bukhatsera, tous les Kdoshim, tous les Tzadikim, ils ont étudié le même daf. Et moi, tu viens, tu me prends de Paris là-bas, de la poubelle, et tu me fais étudier le même daf que eux. Quel? Tu vas étudier le même daf que eux, ils ont étudié. Oh, quelle route! C'est dur. Quoi, eux, ils ont étudié ça, moi, je vais étudier ça. Eux, ils sont à la fac, moi, je suis en maternelle encore. Tu me fais étudier la même matière. Quel? Doucement, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois, le Bachour, il essaye, il fait des efforts, etc. Il y a plus cher aux yeux d'Hachem que ça. Et Kol Sheken, c'est le Bachour, il travaille ses midot. Il essaye d'être patient, de travailler sa colère, de travailler sa simcha, d'avoir la simcha, bien qu'il est loin de ses parents, loin de ça. Et il a... Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il réserve comme salaire à tous ces Bachourim là, à tous ceux qui font des efforts comme ça pour s'approcher de la Torah de l'Aïe? Quel salaire immense est réservé? On n'a pas idée. Aval, pour l'instant, c'est l'épreuve. Pour l'instant, on ne voit rien. On est dans le tunnel. Dans le tunnel, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Comme l'exemple de l'escaladeur, Ken, il monte, il escalade la montagne, il avance centimètre par centimètre, c'est dur, il fait froid, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ça. Ah ben, il avance, il avance. Un beau jour, il regardera en bas, il verra combien il s'est élevé. Déjà maintenant, vous pouvez regarder. Ça fait, on va terminer bientôt le Zman Choref. L'onzman Choref. Déjà maintenant, on voit, c'est clair, les fruits. Combien les élèves ils ont changé? Combien leur mentalité a changé? Combien ils ont avancé dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, dans le Moussa? Chacun déjà, c'est un petit rave ici. Un petit rabat. Okay. Sans exagérer. Chacun un petit rabat. Il peut aller maintenant enseigner des cours de Moussa, dire des Hidushim, donner des drachotes. Et chacun, il peut donner des drachotes. J'ai aucun doute. Chaque élève ici, il peut donner une drachot. Aucun doute. Seulement là, on a Yerushalayim, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de gdusha. Alors on ne voit pas la petite bougie qui brille. On ne la voit pas. Il y a une petite bougie qui brille quand il y a des grosses bougies, il y a des grands tzadikim, il y a le kotev, il y a beaucoup de gdusha ici, il y a des grosses lumières. Une petite bougie, on ne la voit pas. Alors prends cette petite bougie-là, tu l'emmènes à Paris, tu l'emmènes à Zé. Il y a tout noir là-bas. Noir, obscurité totale. Prends dans une pièce toute noire, mets une petite lueur, une petite bougie, toute la pièce est illuminée. Tu vois tout. Prends le petit bachour, cette petite bougie-là, tu la mets à Paris là-bas, tu la mets là, vous allez voir la lumière. Ah, vous êtes en plein cœur de la Kedusha, il n'y a pas plus grande Kedusha qu'ici. Yerushalayim, la Torah d'Eretz Israël, vous roulez, vous baignez dedans du matin au soir. Okay. Alors, ne faites pas attention. Alors, vadaï que la Neshama s'élève, se purifie, et le bachour, il avance énormément. C'est pour ça qu'il faut tenir le coup. Il nous reste 3 semaines. 3 semaines, il reste, après c'est fini. Après,
vous êtes relâché dans les jambes. Ken, comme le taureau qui sort comme ça. On ouvre l'enclos. Tac, les taureaux ils sortent. Ken, faut attention, pas se cogner dans les murs. Faut aller maintenant encorner tous les frères juifs là-bas et leur faire tchouva et les faire avancer et faire maintenant que ça émerge de vous toute cette lumière là, toute cette Torah que vous avez pris. Alors il faut maintenant après la en faire profiter aux autres. Il faut la répandre. Il faut aller voir tel tzadikim, tel tzadikim, faire tchouva, etc., etc. Mais qui t'aurait tu travailles, une grande responsabilité. Oh, Adonai l'Olam.